Tikana prophétiser na vie. Bisika balinda bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien. Bon tout le monde. Tu vas savoir. Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kosa yo na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wani. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future. My life is worth a living just because Jesus lives. Bandeko biskozo landa biso ato yebi anglete zembo wana ezolo wake. Parce que lui il vivre. Pretazana bomoi. Na kokiko. Na kubange lokote e na kokiko. Affronter lobby nangai. Puisqu'il est vivant, je peux affronter mon lendemain. Ata lobby est sombre de genini. Quoique le lendemain soit sombre. Parce que Jésus-Christ est vivant. Et il vivre. Je peux affronter mon lendemain. Na koito telemani sou sou lobby. J'ai la bonne nouvelle pour nous. J'ai la bonne nouvelle pour vous. Ceux qui osa moana nzambe. Si vous êtes enfant de Dieu. Osa poli. Tu es lumière dans ce monde. Aussi longtemps que Ozana Mokili. Aussi longtemps que tu es dans le monde. Nakoye Mangoli Susuna en français, ami en anglais. Je vais chanter en français. Je croyais que Pasteur Daniel Ayebi Koye Mangona français. Nasina Yoki Ayembaki. Et Akoye Mbilabiso. Ndeko. Bien aimé. Parce que Jésus vive. On peut affronter l'endemain. Togoyeko la Mokali Susu lobby. Aussi longtemps que nous sommes ici sur terre. Lui-même a dit dans Jean chapitre 9 verset 4. Dans Jean 9 4. Aussi longtemps que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Et na lingio yebake aza dans le monde aujourd'hui parce que nous sommes dans le monde. Et j'aimerais que tu saches qu'il est là parce que nous sommes là dans Christ le monde. En nous, Christ l'espérance de la gloire. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Atali Yonangaï, dans Marc chapitre 3, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Il s'est tourné vers vous, c'est moi, il a dit. Et hier, à l'objet, dans Jean 9, 4, à l'objet, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et dans Jean 9, il a dit Wanangaï, Nazana Mokili, Ngaï, Nepole, Mokili. Parce que nous sommes là. Il est là. Et parce qu'il est là avec nous, on pourrait affronter les lendemains. Because he lives, come on, Charles. I can face tomorrow. Because Jesus lives. Fear is gone because I know, oh, oh, he holds my future. My life is worth a living just because Jesus lives, because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds.
was my future. My life is worth a living just because Jesus lived. Come on, Pastor Daniel Yemba Ponangai. Hallelujah. Yes. Je n'ai rien à craindre. Yes, mais l'endemain, je n'ai rien à craindre. Sont assurés. Daniel, encore. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais l'endemain sont assurés entre ses mains. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Olingami, na pesibino mbote bisika bozali. Je vous salue tous de partout. Vous bisika bozola nanga na ndako. Et là vous me suivez maintenant à la bisika bozola nanga na mokili. Là vous me suivez de par le monde. Na pesibino mbote na kombo na Yesu Masi. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nazana esengo. Je suis dans la joie. Kozala epai bozali. D'être là où vous êtes. Nzela elili oyo. Au travers de votre petit écran. Zame nangai amona bino apambola bino. Que mon Dieu vous voie et qu'il vous bénisse. Bien-aimé, Olingami. Ebele bazo banga. Nombreux sont dans la crainte. Ebele bazana inquiétude makasi pona lendemain. Nombreux s'inquiètent pour leur lendemain. Comment ça sera-t-il? Et cause à la lenge nini. Ebele bazo me poser beaucoup de questions. Nombreux se posent diverses questions. Qu'est-ce qui se passe? Dikamoni ni zone de Kana. Mina lingna e sayo. Je me retire. Parce qu'ils vivent. Pote ye azana bomoi. Ozana eloko mokote ya kobanga. Tu n'as rien à craindre. Pour na lobby na yo. Pour ton lendemain, lobby na yo est assuré. Ton lendemain est assuré. Il est garanti. Il est garanti. Bien aimé. Molingami. Il est au contrôle. Yendazo kambanyoso. Il est au contrôle. Yendazo tala makambonyoso. La Bible dit. Lo bananzambe lobby. Na Somme chapitre 2 avandi azotala azoseka. Dans le psaume chapitre 2e, il est là assis sur son trône. Yeah. Il est en train de. Nalingi botanga ponangai Psaume chapitre 2. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Psaume. Il est au contrôle. Azota na nyonso. Yes. Yango okokiko lala na kimia olamuki na kimia. Voilà pourquoi tu peux dormir et te réveiller en paix. Ton sauveur. Mobiki sina yo. Et là et il est vivant. Azali pe azali na bomoi. Tanga ponangai Psaume chapitre 2. Si tu es là. Psaume chapitre 2. La Bible dit Avandi Azoseka. La parole de Dieu dit qu'il est là en train de se rire. Voilà. Parce qu'il est Dieu. Peut être Azali Nzambe. Il est omniprésent. Yazabisika Nyonso. Hein? Verset 1, Tanga. Psaume chapitre 2, verset 1er, version Darby. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples, méditent-ils la vanité? Oui. Verset 2. Les rois de la terre s'élèvent et les princes consultent ensemble contre son roi. Oh, yes. Verset 3. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. 4. Celui qui habite dans le ciel s'érira de le Seigneur s'en moquera. 5. S'en moquera d'eux. S'en moquera d'eux. Yes. Ici à l'obby, va celui second. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur s'est moqué d'eux. Puisqu'il leur parle dans sa colère. Il leur épouvante dans sa fureur. C'est moi
qui est moins, moi, roi, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et là, on a dit, verset 4 à l'obi, à partir de verset 1, on a dit 4 à l'obi, à Ekoloba, celui qui est dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Amen. Verset Lingala. Vous voyez, tant que vous avez verset 1, c'est bien, tina 4. Verset 1er. Ponanini bikolo nyonso ezali kotomboka. Pe kongala pamba pamba boye. Verset 2. Bakondi ya mokili batomboki pe bakomi koyokana. Po baboya Yahweh na mokondi oyo ye apakola mafuta. Angaite na lobi zambe ndi alobi. Verset 3. Balobi tokata basinga oyo bakangaki biso. Pe tomi longola na bombu na bango. 4. Kuna na likolo Ngolo azali ko seka. Azali ko mona bango pamba. Alleluia. Praise the name of Jesus. Na lingio tango nga vasyon mzuzi en français ou ya lobi kitoko. C'est très important. Yango anande kuna yeko yipsa yo. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Kopanga te. N'ayez pas peur. Kopanga te. Ton sauveur. Mobiki sina yo. Et vivant. Azana bomoy. Et te contrôle. Aujourd'hui, je suis venu te prêcher. Plusieurs fois, j'ai déjà prêché dessus. Il faut qu'en ce moment-ci, que nous puissions nous rappeler. Aussi longtemps que c'est aujourd'hui. Il a dit dans sa parole. Exhortez dans la parole. Que nous nous exhortions dans la parole. So, la foi vient parce qu'on entend et on entend. Peut-être tu oublies ton identité. Je suis ici pour te rappeler. Tu es la lumière de Dieu dans le monde. Et nangongoyo esengeli to tambola na révélation ya identité na biso en Christ Jésus. En ces temps-ci, nous devons marcher avec la révélation de notre identité. C'est pas moi qui a dit, c'est Jésus lui-même qui a dit à l'obéna Matthieu 5, verset 14, vous y êtes la lumière du monde. Aussi longtemps que vous en avez katia mokili oyo, vous apolé na mokili. Et ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et lui aussi a dit, yépé à l'obi, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pole ya mokili. Pole akonzaka. La lumière règne molili sur les ténèbres. Molili azana droit kaka ya kokonza tango pole azate. Les ténèbres ne peuvent régner que quand il n'y a point de lumière. Tango yesu akoya kozwa ba oyo ya ye. Quand Christ reviendra enlever les siens. Ba oyo baza pole. Ceux qui sont lumière. Ba oyo bazo tambola na kati ya pole. Ceux qui marchent dans la lumière. Tango akozwa bango ba keina molimo santo alongwe na mabele na mokili, c'est ainsi que molili akozwa bokonzi à 100%. Quand il reviendra enlever les siens et le Saint-Esprit s'en ira de la terre, c'est alors que les ténèbres pourront régner à totalité. Alléluia. Amen. Kobosanate na partage na biso kala. N'oublie pas de nos partages. 10 vierges. Basse kazo. 5 bazana pole. 5 avec la lumière. 5 musus bazana pole. C'est contre nom. Baoyo bazana pole. Celle qui avait la lumière. Tango mokonzi ya pole aye. Quand le maître de lumière est venu, connexion et salami. Il eut connexion. Bazalaki attiré. Elles étaient attirées. Bakei. Baoyo bazangi pole. Les cinq autres qui ont manqué. Batikali. Étaient restés. Nasambeli. Je prie. Okotikalate. Tu ne resteras pas. Yango ifoye bakei oza pole na katia mokili. Tu dois savoir que tu es lumière dans ce monde. Il faut tambola na katia pole ya lilo bazambe. Et tu dois vivre dans la lumière de la parole de Dieu. Il est écrit. Et comme ami. Sa parole est claire. Lobanaye pesa kapole. Sa parole illumine. Lobanaye ngalisaka. Sa parole donne la lumière. Lobanaye pesa kapole. Edengozo yokanga na tongwale. Tel que tu m'entends aujourd'hui.
parole wana. Cette parole est illuminée. Puisse t'illuminer. Dimanche ya tongo alelo. Ce dimanche. Et à la dimanche ya illumination na kati na vie. Que ce soit un dimanche d'illumination en vous. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus Christ. Na ling totanga. J'aimerais que nous lisions. Nangonga to komi. En ces temps que nous avons atteint. Nangonga ya ko. Inquiétude. Ce n'est plus un temps dans lequel il faut avoir des inquiétudes. Ce qui est mis yebe zangonga ya kozala na kimia parce que uzana prince de paix na katina yo. Si tu te connais, c'est le temps d'avoir la paix car le prince de paix vit en toi. Ezangonga ya kozala na isengo. C'est le temps d'être dans la joie parce que zo laxaké bientôt ton rédempteur vient. Que tes autres cette calamité mon sikolina yo azozonga ko ya kozoyo. Alléluia. Amen. Na Osiya 4 verset 6, la Bible dit mon peuple sont détruits. Donc, sont allés détruits. Osiya 4 verset 6, mon peuple sont détruits faute de la connaissance. Esaïe chapitre 5 verset 13 à l'obi, ils sont allés en captivité. Mais Osiya 4 verset 6 à l'obi, ils sont détruits faute de la connaissance. Oyo Esaïe 5 verset 13 à l'obi, ils sont allés en captivité. Oso mon ado. Oui, à cause de quoi? Et le comoko, manque de connaissances. La destruction et la captivité, telle qu'a parlé Osée et Esaïe, c'est juste par manque de connaissances. Ce qui est très important aujourd'hui. Oui, ça m'a tué à Mingilelo. Esa, c'est. Komiyeba. C'est de savoir qui tu es. Yo, Osali Nani. Oui, Biponani. Tu sais pourquoi? Dès que tu sais qui tu es. Dès que tu sais qui tu es, okozala ébranlé. Tu ne seras pas ébranlé. Yangualobi, nous ne marchons pas parce que nous voyons. Albitozo bikate na otozo mona. Nous marchons par la foi. Tozo tambolande na kondima. La foi en quoi? Kondimela nini? La foi dans sa parole. Kondimela liloba na ye. Parce que lui et sa parole sont un. Pote yene lobane bazande moko. Ce qu'il est. Azali, sa parole est aussi. Lilobanae pe azali ce bon qu'il va faire. Yako sala, sa parole va le faire lilobanae aussi. Pe ko sala. Lui et sa parole. Yene lilobanae baza moko. Il est Dieu. Sa parole est Dieu. Il est esprit. Sa parole est esprit. Il est la vie. Sa parole est la vie. Lilobanae pe Jean 1:1 dit au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu et cette parole est Dieu. Namukanda Jean e bandela lobi. John 6:63 lobi mes paroles sont esprit et vie. Car dans Jean chapitre 6:63 lobi malobana lobi na binonde molimo pe bomoi. Jean 14:12 alobi Jean 14:6 alobi je suis le chemin la vérité et la vie. Je suis la vie. So ce qu'il est sa parole est aussi. Et dans Jean 14 alobi nazali bomoi nzela pe solo donc lokola ya zali bomoi liloba na ye pe azali bomoi. Ce que zotambola na kati ya connaissance ya liloba na ye. Si tu vis dans la connaissance de sa parole. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Nyonso zosale malelo. Ekoningisa yo te. Ne va pas te branler. Toyebi place to zokende. Nous savons où nous allons. Toyebi place to uti. Nous savons d'où nous venons. Lelo je crois bazo la kisa parole prophétique ya makambo isalami mba msusu na lobi yango 2018 na lobi mba msusu na septembre 2019 parole prophétique de ce qui va se passer na 2020 et lelo tozo mona accomplishment ezo salema et bangisi batu msusu mutu msusu un homme abenginga et une autorité abenginga lobi est-ce que okokopesa ngai lien na kino tanga natala matia wana mobimba na lobi voisi et na tindelie ko banda na ebandeli ya matia wana na lobi ango ke 2020 sera comme ça na lobi na un moment na lobi ngongezo ya ba kuvandi sabiso na ndako yango to vandi na lobi ngongezo ya oyo il faut vivre na kondima nayo parce que ba flio ekobeta na mokili ekozala na mopepesko okope malisusu te yango eto komi kukanga zolo balango nyonso na lobi ezo komikisama lelo. Il y a quelque temps passé j'avais sorti des paroles prophétiques concernant tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, nous le voyons s'accomplir à notre vue et même une
personne élevée a vu cela, m'a demandé le lien. Je l'ai envoyé le lien de la prédication. Il a suivi, il a été fortement béni. De sorte que tout ce qui arrive a été déjà prophétisé par ma bouche. Dès que tu connais qui tu es, ce qui quand yo yebi oh yo ozali, ozala kimia, tu seras dans la paix quoi qu'il arrive. Atani ni koya, la connaissance donne la force. Oyebi pe sakande nguya. Dieu ne fait rien sans savoir révéler à ses serviteurs les prophètes. Zamba sala kali kambote, ce qui a monisi ngon na basali na eba sakolite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mabo shike pele do soproni. Na Somme chapitre 82. Toujours dans le livre de Psaume, chapitre 82. À partir du verset 1 jusqu'à 5. À partir du premier verset au cinquième. Psaume 82. Psaume chapitre 82, à partir du premier verset au cinquième, version Darby. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des juges. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et ferez-vous exception de la personne des méchants? 3. Faites droit aux misérables et à l'orphelin. Faites justice à l'affligé et aux nécessiteux. 4. Délivrez les misérables et les pauvres. Sauvez-les de la main des méchants. 5. Ils ne connaissent ni ne comprennent. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. Ok. Amen. Et loko na nabim sawa. Tout ce qu'on a Oséa 4, 6 et Ésaïe 5, 13. Ozambalobi et loko ezo bomabana na ezako zanga koyeba. Awa lobi, ils ne connaissent pas ni les comprennent. Ils marchent dans le ténèbre. Quand tu n'as pas de connaissance, tu marcheras toujours dans les ténèbres. Tu marcheras continuellement dans l'ignorance. Et celui qui marche dans les ténèbres peut craindre n'importe quoi car il peut tomber dans un ravin puisqu'il ne voit pas. Mais celui qui voit, il n'a rien à craindre. Il voit clairement son chemin. Je prie que mon Dieu ouvre tes yeux spirituels afin que tu vois. Mais je viens te dire, tu dois connaître qui tu es. Quand tu te connais, cela te donnera la paix dans ce monde. Ton roi a dit, Matthieu 5, 14. Dans Matthieu 5, 14, que tu es lumière du monde. Tu es lumière du monde. Verset 5, Nazobeta 7. J'insiste sur le verset. Ils ne connaissent ni les comprennent. Ils marchent dans le ténèbre. Tous les fondements de la terre chancellent. Tout chancelle parce qu'ils ne se connaissent pas. Yango, il faut miyeba oza. Tu dois savoir qui tu es. C'est très important. Version parole de vie. Ok, version parole de vie. Psaume 82, verset 5. Mais vous êtes des ignorants. Vous ne comprenez rien. Vous êtes complètement corrompus. C'est pourquoi le monde ne tient pas debout. Alléluia. Amen. Pourquoi, c'est pourquoi le monde ne tient pas debout. C'est pourquoi beaucoup ne tient pas, même notre monde actuellement ne tient pas debout parce que toujours mieux battre, toujours le côté, toujours comprendre le côté. Et le monde, à cause de l'ignorance, aujourd'hui le monde ne tient pas debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de marcher dans la lumière de sa parole, il marche dans le ténèbre. Regarde, ici à Lobi, il dit il ne connaît ni comprend. Mama ya likambo yangoana. Il faut que tomiyeba. Il faut que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Moni.
na minute oyo. En cet instant, mutu yonso azana kati ya kolo Yesu Masia, il faut yeba position na ye en Christ. Toute personne en Christ doit connaître quelle est sa position. Sinon, le vent de ce monde va te emporter par-ci, par-là. Ce qui te mon pépé à mon kil, et comme mes maillots que bois kayo bipai na bipai. Et pour comprendre ta position, bon akoso cela. En Christ, quand tu es en Christ, na lobi il faut au savoir, il faut savoir que tu es la lumière dans ce monde. Et Seigneur le ba été aux ali polé na mokili. Alléluia. Amen. Écoutez encore ce que la parole de Dieu a dit selon verset 5 là. Parce qu'ils ne connaissent ni comprennent. Voilà pourquoi. Nazo répéter. Je répète. Voilà pourquoi. Ils marchent dans le ténèbre. Version Lingala. Psaume 82 à partir de verset 1er. Nzambe a telemi na kati ya milimo ya likolo. Azali ko sambisa banzambe. 2. Titango nini bokozala kokata makambo na lokuta pe kokotela bato oyo basalaka mabe. 3. Bolongisaka bato bazanga makasi pe bana bakufela baboti. Bosalisaka bato ya mawa pe ba oyo bazali kokufa nzala. 4. Bobikisaka bato bazanga makasi pe ba oyo bakelela. Bolongolaka bango na maboko ya bato mabe. 5. Kasi bino bozali koyoka te pe koyeba eloko moko te. Mitema na bino ebebi, bobebisi penza mboka. Alléluia. Amen. Parce que bazo sala nini bazako yeba eloko te. Il faut mi yeba. Tu dois te connaître. Il faut yeba qui tu es. Il sengeli yeba yo zanani. Malgré ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Zambia lobi yo oza lumière. Atako oezo salema na mokili lelo, Zambia lobi yo oza lipole. Alléluia. Amen. Beaucoup marchent dans les ténèbres, voilà pourquoi leurs étoiles ne se voient plus. Mingi baza na kati ya molili, yangonde étoile na bango ezo monana lisusu. Bazo monana te. Ils ne sont plus visibles. Parce que bazo tambolate na kati ya lumière liloba. Or, bango moko baza ba lumière. Parce qu'ils ne marchent plus selon la lumière de la parole de Dieu. Or, eux-mêmes sont lumière. Tanga pona ngai version wana. Matthieu 5, 14 pour Bayoka. Alléluia. Magé qui nazo répété, il faut tout tanga. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu, chapitre 5. Verset 14, version d'Arbi, j'ai lu au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Voilà. Une ville. C'est ça que c'est. Yes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous y êtes lumière du monde. Alors, dites que vous êtes la lumière du ciel. Nous sommes ici. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située aux collines, au sommet de la montagne qui ne peut pas être cachée. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, je viens dire à un chrétien qui me suit, tu es lumière dans ce monde. Aucune ténèbre n'a de pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. N'appelle cet exemple. Je vais donner une illustration. Ce qui butu eye. Quand la nuit tombe. Na butu olongwe na isika lumière eza. Tu quittes là où il y a la lumière. Au koti na katia molili. Tu vas en plein dans les ténèbres. Tu sais que tu ne verras plus. Quand tu es dans la lumière, tu seras vu et tu vas voir. Ton vêtement peut facilement te voir. Mais dès que tu vois
Bisika lumière ezate. Là il y a point de lumière. Okomona lisuste. Tu ne seras plus visible. Yango foyi bake. Voilà pourquoi tu dois savoir que yo attend que lumière dengue Matthieu 5 14 alobi. En tant que lumière, t'es qu'a dit dans Matthieu 5:14. Nous devons continuellement marcher, vivre dans la lumière de la parole parce de Dieu. Parce que Psaume 119, verset 130 à l'obi, l'entrée de sa parole illumine, donne la lumière, éclaire. So, biso en tant que lumière, il faut tout tambola na katia lumière ya lilobanaye. Pour lumière na biso e kufate e continuellement kopela. Et en tant que lumière, nous devons vivre dans la lumière de sa parole. Parce qu'il a dit dans les psaumes, chapitre 119, verset 130, Bokoti ya malobanayo e memakande pole. Yangoua, dès que nous ne marchons plus dans la lumière de sa parole, okumona ke, tout sera bousculé. Ozaneti mutuaza na lumière awa alongwe na lumière akoti na ténèbre kuna azomona isuste pona ni azana kati ya ténèbre mokili oyo na ipsa yo za ténébreuse ce monde est ténébreux mais yo oza lumière mais toi tu es lumière et lilobanaye et sa parole est claire et pe sa capole et loko pe sa destinée na yo éclairera tout le temps c'est sa parole. Ce qui va éclairer à tout moment ta destinée. Regarde-moi comme je te prêche maintenant, je suis dans le studio. Otali simananga au moni fond yon sou noir. Tu vois à côté de moi, il y a que de noir. Mais ozo monanga na cravate nanga rouge, ozo monanga na elongi nanga kitokos, na souris nanga attirante, et na chemise nanga bleu ciel. Ozo moni yon sou ezo genga. Pour la nini? Lumière moko na katia ténèbre ezo pete langage. Yes, tu peux me voir clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a, malgré ce ténèbre, il y a une lumière qui frappe sur moi. Je suis dans le ténèbre maintenant, mais le ténèbre azana nguya likolo na ngai te parce que lumière ezo pete langage. Na zana katia studio ezana molili kasi molili wane ko ko zipanga te pona nini? Pona mwinda moko ezo pete likolo na ngai. Yango il est écrit na Psaume chapitre 119 verset 130 alobi. L'entrée de sa parole illumine. L'entrée de sa parole éclaire. L'entrée de sa parole donne la lumière. Il y a un psaume 119-130 à l'obi. Beaucoup de maloba na yo, engengi saka, epe saka, pole. Alléluia. Amen. Versions les livres, Matthieu 5, verset 14. Oui, tenga. Vous êtes la lumière du monde. Oui, ok. Vous êtes la lumière du monde. Une ville perchée sur une colline qui brille dans la nuit et que tout peuvent voir. Alléluia. Qui brille dans la nuit. Qui brille dans la nuit. Ces nuits, ces ténébreuses, mais lumière et gengaka nakati yabutu. Pole et moni samaka nakati. C'est ce que je suis en train de dire. Atozo leka. Une situation ténébreuse maintenant. Je viens te dire. N'oublie pas ton identité. Tu es lumière. Tu es lumière. Tu es lumière. Et sa parole est là. Pour t'éclairer. Pour t'illuminer. Afin que tu ne puisses pas trébucher. Afin que tu ne tombes pas dans un ravin. Afin que tu ne t'enfonces pas dans un trou. Psaume chapitre 119, verset 130. Nous allons lire dans le livre des psaumes, le chapitre 119. La ligne sur la révélation. J'aimerais que tu comprennes cette révélation. Osa polé. Dans ce monde, toi, tu es lumière. Osa lumière na mokili. Osa li pole katina mokili. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 119, verset 130, version Darby. L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence aux simples. L'entrée de sa parole illumine. Écoute-moi. Yokangai. Parole. Et kotisaka. La parole fait pénétrer pole la lumière.
quand tu marches dans la parole, tu marches dans la révélation de la parole de Dieu, tu es en train de marcher dans la lumière. Moi, mon lili et mon kilioyo est enveloppé, est submergé, est dominé, est dominé. Les ténèbres de ce monde ne pourront pas te submerger car on ne peut pas dominer la lumière par les ténèbres. Alléluia. Tanga. Version Louis II révisée. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Moni, révélation. Tant que vous soyez barrema, y a l'iloba zambé. Chaque jour, y a un gobiso ban zambé. Il faut na minute oyo. Tous à la en communion avec Dieu. Devait être en communion avec Dieu. Na minute oyo na ngongoyo. Il faut tous à la en méditation dans sa parole. Devons nous plonger dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que poète. Révélation tous au soir. La révélation qui nous tire. Yango éclairé. C'est ça qui nous éclaire. Yoka. Écoute. Na commis le comme quoi. J'ai écrit quelque chose. Et j'aimerais lire ça dengue na komi. Na kuninga na tanga kaka dengue na komi. Na lobi lumière na ténèbres ba coopérer kate. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coopérer. Lumière na ténèbres ba coopérer kate. La lumière ne peut jamais coopérer avec les ténèbres. Baza ba coopérante té. Ils ne peuvent pas faire des affaires ensemble. Non. Té. Et si ma kate? Ça ne marche pas. Et yo zanani. Qui es-tu? C'est l'homme Konzinayo alobi. Conformément à ce que ton Créateur a dit, Jésus-Christ. Alobi oza lumière. Il a dit que tu es lumière. Dans ce monde. Na yeko yebisayo. Je viens te dire. Malgré tout. À ta connion ce jour. Elonga ezayayo. La victoire t'appartient. Ce que ce soli identité na yo tant que lumière. Si tu comprends ton identité en tant que lumière. Eza la pandémie, eza la nini ekoya, ekopusa na pembeni na yote. Quoi qu'il arrive, ça ne t'approchera pas. Parce que la lumière expose le ténèbres. Bisika lumière zali et qui misaka molili. Là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Nous allons voir ça enfin. Alléluia. Amen. Version top, verset 130. La découverte de tes paroles illumine. La découverte de tes paroles illumine. La découverte de tes paroles illumine. Dengue ozo découvrir. Tel que tu découvres. Liloba ezambe. La parole de Dieu. Nasambeli. Je prie. Destinée na yo. Ta destinée. Vie na yo. Ta vie. Ezala illuminé. Soit illuminé. Éclairé. Éclairé. Na lingi Marc, Matthieu 5, 14, on a version semeur et version parole de vie. Ce que vous avez pour nous. Bien-aimé, Molingami, n'assemblez pour nous. Je prie pour vous. Na komu na Yesu Maxia, au nom de Jésus-Christ. Que ta vie et destinée bon moi, na yo, pe ne sera plus cachée. Et bata malisusuti. Même dans le temps que nous traversons. Au nom de Jésus. Sache que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur la lumière. Matthieu 5, 14. Version semeur. Voilà. Au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Voilà. N'échappe pas au regard. Alléluia. Version parole vivante, parole de vie. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Elle ne peut pas être impossible. Elle ne peut pas être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Alléluia. Amen. Je prie. Parce que vous êtes lumière. Puisque tu es lumière. Même na mgonga oyo. Même en ce temps-ci. Destinée na yo et que vous allez cacher. Ta destinée ne sera plus jamais cachée. Ta vie ne sera plus jamais cachée. Babomba ka lumière. On ne cache pas la lumière. Et sengele genga. La lumière doit briller. Et panza molili. Pour éparpiller toutes ténèbres. Alléluia. Amen. Ça c'est
Ça doit être ainsi. Le sang bonangai. Ma prière. Destinée nayo. Que ta destinée nayo. Ta vie. Et kobata malisus. Ne soit plus cachée. Mais kobosa nate. N'oublie pas. Phrase one. Cette phrase. Yesu ndi alobi. C'est Christ qui l'a dit. Oza pole na mokili. Tu es lumière dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yango moni ba divers one ndinga alobi na Matthieu 25 verset 1 à 13. Soki otangi yango tozo tanga yango te. Ba 5 oyo bazana lumière bango lumière na bango ya kopela tango epuaye ba kendaki na epu me ba mususu ba tikali pona nini bango bazada dans le ténèbre bazangi lumière. Et si vous voyez cette parabole des 10 vierges, vous verrez que les 5 qui avaient la lumière étaient partis avec l'époux, mais les 5 autres qui n'en avaient pas étaient restés, ils avaient raté les noces. Parce que bango batikali dans nos ténèbres tango mokonzi ya pole aye altali atali azo mona bango te baza dans le ténèbres mais ba 5 mususu oyo baza na pole amon ba monani bango nde bakei na sambeli yo pe okomona na komona Yesu. Amen. Voilà pourquoi on doit marcher dans la lumière de sa parole. Et Seigneur a biso to bika na katia. Parce que l'entrée de sa parole illumine. Tango akoya, akomona pole, akomona lumière. Il verra la lumière. Amen. Bango baki. Elles étaient parties. Parce que bazo monana. Parce qu'elles étaient vues. Ndeko nanga nazo sambela pona yo. Je komona. Tu seras vu. Okobanda komona. Tu seras vu. Na kombo na Yesu Masia. In the name of Jesus. Bisika baninga bazokende liboso yo okotika la simate. Là où les autres progressent, toi tu ne vas pas rester en arrière. Parce que poète, ce que otangi bien. Si tu lis bien, ba 5, les 5 bakei étaient partis. Ba 5 mususu batikali. 5 autres étaient restés. Na sambeli, je prie. Bisika baninga bazokende. Là où les autres avancent. Yo kotika la simate. Toi tu ne vas pas stagner. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Parce que vous avez lumière. Puisque tu es lumière. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Na lingi kolobanini. Il faut lumière commune avec lumière. Et singeli pole asolola na pole. Voilà. Et la parole donne la lumière. Pe liloba et pe saka pole. En tant que lumière. Loko la pole. Il faut communier dans la parole tous les jours. Et singeli okota na mozindo lo bananza mbi mikolonio. Tenge ozo communier dans la parole. Tenge que tu communies dans la parole. La lumière de la parole. Pole lo bananza mbi. Et bana ko éclairer yo. Va commencer à t'éclairer. Tenge ozo talanga e boye. Tenge que tu me vois. Je suis dans le ténèbre. Nazana katia mbi. Mais nazana lumière. Car si j'ai la lumière. Je suis éclairé ngai. Ça m'éclaire. Malgré que nazana katia molini moko terrible. Même si je suis dans le noir. Mais. Car si. Lumière. La lumière. Je suis éclairé ngai. M'éclaire. Tu peux regarder l'image. Tu me vois, fond en gagnant sur le noir. Mon fond est noir. Mais ce qui va canguer lumière. Si on éteint la lumière. Dès que vous monte en gambo mke kangami. Dès que vous voyez l'exemple d'un côté. Et le comment on a les sujets. Rien ne sera plus vu. Vous en monte. Gloire à Jésus. Tu vois à côté, tu ne vois plus. Parce que est kangami. Parce qu'on a mais éteint. Mais dès que va pelisi. Dès qu'on allume. Omoni evali. Tu vois la lumière. Gloire à Jésus. C'est le temps Ezalingonga de marcher que nous marchions dans la lumière de sa parole. Kati a pole ali lobanaye. Parce que lumière de sa parole était pole ali lobanaye. C'est clair. Ezokengi sabiso. Nangongo yo mokili et komi. À ce temps que le monde a atteint. Yamba éclairage. Reçois l'éclairage. Yamba éclairage. Reçois l'éclairage. Yamba illumination. Reçois l'illumination. Au nom de Jésus. Na Yesu. Nous sommes la lumière Tozali pole dans le monde. Katina mokili. Et nakosili sa matière oyote. Je ne peux pas finir ce message. Ce qui na lobby aspect mon côté qui est très important. Sans pourtant toucher un aspect qui est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exemple mon qu'on a na pesa. Un exemple que j'aimerais te donner. Yo en tant que lumière. Vous en tant que lumière. Katia mokili. Dans ce monde.
Tu ne peux pas être maladif. Ou atteint de virus sangolo ou malade sangolo. Parce que la lumière de sa parole. Quand elle pénètre dans une personne. Et bengana kayon so oyeza contre la volonté de Dieu. Elle chasse tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Par exemple. Ndakisa. Moi, Ngaï. J'ai la lumière de la parole. Nazali na pole le bananzambe. Selon 1 Jean 4, 17, qui a dit. Nandisa 1 Jean 4, 17, toi lobi. Tel il est Jésus. Le lenge Yesu azali. Présentement parlant. Sika sikoyo. Tel je suis dans ce monde. Bongo ndenga pe nazali na mokili oyo. Mais non, il n'est pas maladif. Et la lumière de sa parole m'a dit, moi je suis comme ça aussi dans ce monde. Il peut pas être, c'est-à-dire Jésus, peut pas être contaminé. Moi non plus. Impossible. Ça, c'est ce que la lumière de sa parole m'a dit. Ça c'est un exemple. Wana kakandagis. Yango ezangonga to tambula na kati ya pole. Atoza na kati ya teneb molili dengo zomona ngana zana kati ya molili makasi. Mina zana pole. Magre ke nazana kati ya molili me pole wana ezo gengisanga. Ozo lula ngai dengo zo la ngai bo na television. Parce que na bimi kitokos na cravate ngai rouge na chemise ngai bleu ciel. Mina kati ya molili nazo monana. Kakangai moko na zo mona paske na zana pole ezo beta likolo na ngai lo lenge wana tango pole ya lilo bazambe koti na kati na yo. En tout cas maladi nini oyo ekozwa isikate. Et tel que vous me voyez, je suis dans le ténèbre, mais vous pouvez me voir, je suis embelli parce que la lumière qui me frappe. De la même manière, si la lumière de la parole de Dieu pénètre en vous, aucune ténèbre des maladies ou quoi que ce soit ne peut pénétrer. 1 Jean 4, 17. Nous allons lire dans le premier livre de Jean, chapitre 4, verset 17. Version d'Arbi Jélie au nom de Jésus-Christ. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que, comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Comme il est lui. Lui là c'est qui? Jésus. C'est Christ. Tel nous sommes dans ce monde. Je n'ai rien ajouté. Il a est-ce que lui peut être malade? Il peut contacter des virus? Non, impossible. Mon bien-aimé, c'est le temps. Tout tambola dans la lumière de sa parole. Tout tambola na pole lilo banaye. Ata molili ezingi yo à gauche à droite. Quoi que les ténèbres t'entourent. Et quoi envahi yote. Cela ne va pas t'envahir. Lumière ya lilo bawana. La lumière de cette parole. Et quoi kengisa yo. Va commencer à te faire briller. Dengue na zo kenga, ozo mona nga dengue na zo kenga. Tel que je brille, tu peux me voir. C'est comme ça. Ezande bongo. Version lingala ya lelo. Ce qui bolingo ya nzambe ezali komona na kati na biso na ndenge ya kokoka wana bizaleli na biso wana ya mokili ekokani na oyo ya Yesu Kristo azalaki na yango. Bizaleli na biso na mokili ekokani na oyo Yesu Kristo azalaki na yango. Voilà. Une autre version. Version parole de vie 1 Jean chapitre 4 verset 17. Si l'amour est parfait en nous, oui. Nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Parce que notre vie dans le monde maintenant ressemble à celle de Jésus-Christ. Il ne peut pas être malade, il ne peut pas contacter le virus ou quoi que ce soit. Moi non plus. Yango mon Zambé, c'est le temps de marcher dans la lumière de sa parole. Parce que l'entrée de sa parole illumine dans la lumière. Lingala révisé. Verset 17. Nandenge oyonde polingo ezali komona na ete ezali ya kokoka kati na biso. Po ete tozala na kobanga ta mokolo, tozala kobanga te na mokolo ya kosambisama. Pa
pambate bomo inabiso kati ya mokili oyo e kokani na oyo ya Kristo. Bomo inabiso na kati ya mokili oyo e kokani na oyo ya nani? Ya Kristo. Voilà. Na banzi opambola mina makambozo yo. Je pense que vous êtes béni. Maintenant tozo mona na Colossiens 1:27 anga ponanga aussi. Yoka, écoutez, la lumière de sa parole dit encore dans Colossiens 1:27. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pas l'espérance de la maladie. Yes. La maladie ne reflète pas la gloire de Jésus-Christ. La maladie ne reflète pas la gloire de Dieu. La lumière de sa parole dit. Parce que nous avons Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Pas de la maladie. Pas de la souffrance. Pas de l'échec. Mais de la gloire. Bien-aimé. Zala. Entouré na molili. Tu peux être environné de ténèbres. Mais batwazo mona kaka kembo. Mais on ne voit que la gloire. Par exemple, ce que tali image nanga etengi nazo te abino sikoyo. Si tu vois cette image en cet instant. Naza entouré na molili. Je suis environné de ténèbres. Mais na kati ya molili wa. Mais dans ces ténèbres. Batwazo mona kembo. Vous voyez la gloire. Na sambeli. Je prie. Na makambo yonso ezoleka. Dans tout ce qui se passe, que la gloire de Dieu soit votre partage. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Partout où tu me suis, que la gloire de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. S'il te plaît. Colossiens chapitre 1, verset 27, version d'Abi. Ouais. Auquel Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ses mystères parmi les nations. Mm-hmm. C'est-à-dire Christ en vous. L'espérance de la gloire. Colossiens, comment? Colossiens 1, verset 27. Oyoki. Vous avez entendu? C'est-à-dire, Christ quoi? En vous, l'espérance de la gloire. Ndeko, Christ est en toi. Christ, toi, Zakati, na yo. Est-ce que virus moko est couvert dans la place? Christ, toi, avandi. Est-ce qu'un virus quelconque peut résider avec Christ? Virus, là, c'est la saleté d'abord. Le virus, c'est de l'impureté, premièrement. Et lui, yeah. Avant d'accater na saleté, il ne réside pas avec de la saleté. Yeah, na saleté babala na kate. Il n'y a pas mariage entre lui et la saleté. Lumière na ténèbres babala na kate. Il n'y a pas mariage entre lumière et ténèbres. Ba coopéra kate. Il n'y a pas coopération. Ba virus wana e wuti na ténèbres. Ces virus viennent des ténèbres. E wuti iba ya satana. Vient du diable. E wuti na monde ya ténèbres. Vient du monde des ténèbres. E kokiko bala na te. Tu peux pas avoir mariage la lumière. Avec la lumière. Colossiens 1, parce verset 7. Parce que la lumière de la parole de Dieu m'a dit. C'est le diable qui vient voler, détruire et égorger. Zabolondaya kako iba ko bebisa pe ko boma. Tout ce qui tue. Vient du diable. Et outi na zabolo. Mais Yesu alobi. Jésus a dit. Dans Jean 10:10. Dans Jean chapitre 10 verset 10. Je suis venu. Gaina ye. Pour vous donner. Pour n'accomplir sa bénédiction. La vie. Bomoi. La vie. Et bomoi. En abondance. Ya bofoloki. Yamba bomoi. Reçois la vie. Na lobi yamba bomoi. Je dis reçois la vie. Yamba bomoi place. Reçois la vie par tu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus Christ. Bisika bomweza. Là où il y a la vie. Malade moko ekokonza kunate. Aucune maladie ne peut y régner. Christ qui est en nous. Christ o azali kati na biso. Il est la vie. Azali bomoi. Alobi na Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alobi nazali solo nzela pe bomoi. Christ en nous. Christ on peut seulement dire la vie en nous. Tolo bakaka, bomo ikati na biso. Là où réside la vie. Et si bomo la mort ne peut pas résider. Kufa koiko zalate. La mort ne peut pas évoluer. Kufa koiko kolate.
Yeba yo zanani. Connaître qui tu es. Yeba yo zanani. Version Lingala révisée. Voilà. Verset 27, Colossiens 1. Na bangone nzambe aponaki kolakisa bomengo ya nkembo ya secret na ye pona bato oyo bazali bayuda te. Pe secret yango yango oyo. Secret yango yango oyo ndeko yoka balobi secret yango yango oyo. Christo kati na bino. Christo kati na bino pali banda. Christo kati na bino elakisi ete bozali na elikia ya kosangana na kembo na Nzambe. Oh mashala baya. Christo na kati na bino elakisi ete bozali na elikia ya kembo ya ko sangana na nini? Na kembo na Nzambe. Na elikia na kusambala kusangana na kembo ya Nzambe. L'espérance des agois. Elikia ya kembo na ye. Maintenant bisika kembo ezali là où il y a la gloire. Est-ce que salité ko sangana na kembo ya Nzambe? Est-ce qu'il peut y avoir de saleté? Maladie za saleté. La maladie est une saleté. Quand il était ressuscité le troisième jour. Tango a c'est quoi qui selon la parole de Dieu. Lundi c'est le bananzambe. Troisième jour. Amati wapi selon la parole. Amati na kembo. Il était monté à la gloire. A c'est quoi qui dans la gloire. Il est ressuscité dans la gloire. Pas dans le faiblesse. Na non. De dans la gloire. Kati na kembo. Purité. Bopeto. Bien aimé. Olingami. Celui qui est en nous. Oya zali kati na biso. To bengi la gloire de Dieu. Nous l'appelons kembo ya Nzambe. Bisika avandi. Là où il réside. Et le quoi conduit à la mort et coco vanaté. Ce qui conduit à la mort ne peut y résider. Ata yé et quoi expirer. Même si ça vient, cela va expirer. Il faut y ba qui tu es. Et singelo yé ba yo zali nani. Tu es réflecteur. Yo zali de talatala. De sa lumière. Ya pole na yé. Parce qu'il est en toi. Pour ta zali kati na yo. Tu es réflecteur. Yo zali yo talisa. De sa gloire. Kembo na yé. Regarde-moi. Talangai. Talafon. Regarde le fond na image yo. Sur cette image. Noir sur noir. Molili. Mais talading nazo reflète lumière. Mais regardez comment je reflète la c'est lumière. C'est ainsi avec tout enfant de Dieu. Bomonde singele zalana mwana nzambe nyonso. Qui a lumière ya Nzambe. Qui se reconnaît en tant que lumière. Parce que vous êtes la lumière dans ce monde. Alibozo ali pole na mokili oyo. Molili eye makasi kozi. Mokili na biso kadingi zo mona fond na ngai e zipping guy na molili a gauche a droite sima eza bongo ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais je te dis oyo azo tambla dans la lumière de sa parole kaka boye poli ya lumière e ko beta yo na kati ya molili molili e ko kokoka ko mela yo te. Amen. Et je tire exemple de ces plateaux. Voyez le ténèbre qui couvre le monde entier aujourd'hui. Mais celui qui marche dans la lumière de sa parole, ces ténèbres ne peuvent pas t'engloutir. Version Semeur. Merci. Colossiens chapitre 1 verset 17. Ouais. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse qui renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ses secrets. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Voici ses secrets. Le Christ est en vous. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Lui en qui se concentre. Concentre. Yes. Rassemble l'espérance de la gloire à venir. À venir. Il est en nous présent. Yango alobi, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alobi, je vais abréger les jours. C'est pour dire il est au contrôle. Alléluia. Amen. Na Psaume 91, verset 7 à 10. Na verset 7, alobi, mille tomba à ton côté.
10 000 à ta droite. Mais toi, alobi toi, yokananga alobi, mais toi, 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 toi là. Toi là, toi là, qui me regarde, toi là, yo, toi, yo, tu ne seras pas atteint. Oko Simba Mate. C'est le temps de marcher dans la lumière de sa parole. Gonge beti to tambola na pole ali obana zambe. Alléluia. Amen. Quand je parle de la lumière de sa parole, na zolo bela pole ali obana ye, je parle de rema. Na zolo bela bo fungoli. De révélation. Révélation. Je ne parle pas de logos. Na zolo ba kanga logos. Je ne parle pas de parole écrite. Je parle de rema, parole révélée. Parole où il est comme vivante. Révélation personnelle. C'est ça. Quand tu marches dans cela, tu es en train de marcher dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Tanga pona ngai. Psaume 91 verset 7 à 10. Psaume chapitre 91, verset 7e, j'ai lu au nom de Jésus. Il en tombera 1 000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi qui nous suis, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Verset 8. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Verset 9. Parce que toi tu as mis l'Éternel, mon refuge, les très hauts pour ta demeure. Verset 10. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Version top. Verset 7. S'il en tombe 1 000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Verset 8. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. Verset 9. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du très haut ta demeure. Verset 10. Il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup de menace t'attend. Okay. Aucun coup de menace t'attend. Il ne peut pas mentir. À quoi qu'on constate? Et Salama qui en Égypte. S'il a été fait en Égypte. Pandémie et Betty Bango. La pandémie avait frappé. Mais c'est Bibana Israël. Et ça n'avait pas touché le peuple d'Israël. Il va répéter ça encore. Akobandelangoli sous le lot. Tu peux mettre ta confiance. Okotiela et Motema. Dans sa parole. Elobanae. Alléluia. Amen. Version anglais facile. Verset 7. 1 000 personnes peuvent tomber et mourir à ton côté. Oyoki. 10 000 personnes à ta droite. Ça c'est trop. Yes. Mais aucun mal ne t'approchera. Oui, aucun mal ne t'approchera. Ndeko, ça c'est le moment de tambola dans la lumière de sa parole, dans la révélation de sa parole. Quand je parle dans le bientôt là, ton azolo belayango, je parle pas de logos, logos. Nazolo bateu comment il doit se répéter logos. Non. Il y a d'autres qui répètent le logos. Nazolo baké, je parle révélation à l'iloba. De la révélation de la parole. Et longue na logos écrite. Cette parole quitte le simple écrit. Et comme rema vivante. Elle prend vie en toi. Et comme révélée à ta personne. Et comme l'iloba oh pe. Au langue na yango. Tu ton livre. Et au tambola na makila na yo. C'est là. Et au tambola na esprit na yo. Tu ne te vends dans ton esprit. Tu marches avec. Tu dors avec. Tu te réveilles avec. Ozo la mukana yango. C'est ça. Wana ndi rema. Vous voyez tel que j'ai pris. Malgré tout. Attends, j'ai pris. Vous voyez la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Bien-aimé. On doit marcher dans la lumière. C'est ça. C'est ça qui crée l'impact. Et ça, ça vient par la méditation. Moi, dans il faut méditer. Chaque enfant de Dieu doit apprendre à méditer. Dans la parole de Dieu. Qui donne la lumière. Qui éclaire. Qui illumine. Qui illumine. Nombreux enfants de Dieu sont fautifs. Ils ne donnent pas le temps à méditer. Alléluia. Quand je parle méditation, ça dit osa consistant. Quand je parle de la méditation, c'est entrer en profondeur. Alléluia. Amen. Verset 8.
tout ce que tu auras à faire, c'est de regarder. Et tu verras que les méchants sont punis. Verset 9. Tu crois en Dieu pour ta protection. Tu as fait de très haut ton lieu sûr. Verset 10. Aucune mauvaise chose ne t'approchera. Aucune mauvaise chose ne t'approchera. Aucune maladie n'approchera près de ta maison. Oh, mashallah, maya tegedegele bokoshika palanando soprodia nasambeli. Je prie. Et lokomoko mabete ekokomela yo. Aucune mauvaise chose ne t'approchera. Nasina lobby lelo te na lobby, ça fait même beaucoup de semaines passées que après le pire va venir. Nasima ya makambo yo kobanga te ya mabe ko batela yo. Mais Dieu te protégera. Aucun malheur. Likambo moko te ya mabe. Ne t'approchera de ta tente. Et kopusa na peme ya ndako na yo. Akosakate. Il ne mange jamais. Yango il faut tambola. Voilà pourquoi il faut dans marcher la lumière de sa parole. Kati ya pole ya lobo na yo. Un lumière de sa parole dit encore. Le pole moko alobi lisusu na dilo. Na Jean 4:4. Dans Jean chapitre 4 verset 4. C'est lui qui est en nous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Aza monene, be aleki oyaza kati ya mokili oyo. Oyaza dans le monde lelo babengi ye corona. Celui qui est dans le monde est appelé corona. Oyaza na kati na yo aleki ye monene. Celui qui est en toi est plus grand que celui-là. Ata mususu eye. Même si on a oyaza na kati na yo aleki ye monene. Celui qui est en toi est plus grand. Alléluia. Amen. N'oublie pas que celui qui est à nous, on l'appelle le feu dévorant. Yende, babengi moto oya tumbaka. Selon Hébreux 12:29. S'il y a solo Aza le vrai feu dévorant et qu'il est, il est véritablement le feu dévorant. Ok. Est-ce que dengenini virus eko vanda na esika moko na moto? Oyo atumbaka asekakate atumbakande. Si il est réellement le feu dévorant et nous savons tous qu'il est, comment ce virus peut demeurer avec lui? Tel que tu me suis maintenant, je prie pour toi. Tout corps étranger. Et l'autonion soit coti en toi. Nanzoto na yo. Qui soit brûlé au nom de Jésus. Et tumba manakombo na Yesu. Qui soit brûlé au nom de Jésus. Et tumba manakombo na Yesu. Atozo yoka courbe tu sangolo. Même si tu as des courbatures. Bien aimé, na koti na office prophétique. Je suis dans mon office. Na minute oyo atozo yoka dengenini. Maintenant. Courbatures, baba zolo banini atozo yoka mutu pasi, nzoto pasi. Quel que soit le symptôme. Na lobi moto wana etumba. Et le feu de Dieu. Etumba. Au nom de Jésus. Au piki sa. Au gagolami, na combo na Yesu Masia. The name of Jesus. Celui qui est en nous. O azakati na biso. Et le feu dévorant. Yende moto ya tumbaka penza. Présence na ye na kati na yo. Sa présence en toi. Na ndako na yo. Dans ta maison. Na nzela ya mission yo. Par cette mission. Epeli sa moto. Allume le feu. Na soto na yo mobimba. Dans ton corps. Yo wana ozola na nga minute. Toi qui me suis maintenant. Ozo bela. Ozo yo ka mal à l'aise. Dengo tie maboko na yo likolo ya maboko na nga na déclaré nguya zambe et traversé yo. Que la puissance de Dieu te traverse. Et na déclenché moto wana na nzoto na yo. Je déclare ce feu dans ton corps. Na déclaré au bikisami. Tu es guéri. Au kangolami. Et délivré. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Yamba lobiko na yo. Reçois ta guérison. Yamba délivrance. Reçois ta délivrance. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Non na sollicité mais molimo santo akambinga kana moni eye. Le Saint-Esprit m'a conduit ainsi. Et dengue ozo imposer ma boko na yo na esika ozo bela. Et tel que tu imposes tes mains partout tu as mal. Sami okangolami. Tu es guéri et délivré. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Toye bakasoki onction wana oyé. Quand cette onction est là, nous le savons. Ozo mona na muto a changé, na visage a changé, na elongé changé, na elobilé changé. Tout change. Audace et koti. Il y a l'audace et là. L'onction est là. Bien-aimé. Olingami. Nous avons un Dieu vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. A kufite azana bomoi. Bazambe belé baye na mokili bakufi bakufi libela. Nombreux dieux sont venus dans le monde et sont morts. Mais oyo unique aye asekwaki et aza vivant tuile. Cet unique Dieu est venu dans le monde, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Batu bazo monaye. On le voit.
Il se manifeste dans la vie de nombreuses personnes. Il y a de ceux qui sont dans le coma et qui l'ont vu. Il est vivant. Il se révèle qu'il est vivant. Et alobi, il revient encore. Et alobi, quand il reviendra, toi tu ne resteras pas. Je ne resterai pas. Au nom de Jésus. Pour clôturer bien. Pour clôturer en beauté. Nalina, la caractéristique de la lumière, c'est-à-dire, c'est pour dire toi. Je m'étais parce donné. Que toi, tu es la lumière. Quelques caractéristiques de la lumière, tes caractéristiques parce que c'est toi la tes lumière. Tes caractéristiques, parce que tu es la lumière du monde. Pour être yonde pour. Un. Yani bosso. La lumière est maître des ténèbres. Pour les atonzakane molili. Genèse 1:3. Tango molili ezizana mokili. Zambia yalobi que la lumière soit et la lumière fut et la lumière a dominé ténèbres. Ténèbres disparaît. So, la lumière est maître des ténèbres. Pole akonzaka molili. Na Genèse 1:3. Dans Genèse 1:3, on peut le voir. Que la lumière soit. Boye pole ezala. Et la lumière fut. Et pole ezala qui? A dominé ténèbres. La dominé sur so, les ténèbres. Pour dire la lumière est maître des ténèbres. La lumière. Azali mokonzi ya molili. Et loko yo se kana ténèbres. Tout ce qui vient des ténèbres. Maladie. Maladie. Liwa. Mort. Yo oza mokonzi. Sache que toi tu en es maître. Kobangate. Ne crains rien. Ebele ba bazo bela déjà à cause ya kobanga. Nombreux sont malades juste par la peur. Bela ebeli si ba tu ebele. La peur a donné des maladies à nombreuses personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième. Emi balé. Caractéristique. La lumière domine sous les ténèbres. Bolé ye akonzaka molili tango nyo. Jean 1:5. Soko tangi pona nga Jean wana na kolinga tutanga Jean 1 à partir verset 1 tina 5 na 5 alobi et la lumière brille dans le ténèbre. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Moussous Alobi, les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Moussous Alobi, les ténèbres ne l'ont pas dominé. So, pour y baké, aussi longtemps que tu es dans ce monde, tu es la lumière dans le monde. Et le coyon se zo où ta ténèbre et kokiko dominé yote. Parce que yo nanga et toza lumière. Et puisque toi tu es lumière. Tout ce qui vient du ténèbre ne peut pas dominer sur toi. Tanga pona ngandeko. Version d'Arbi d'abord, après parole de Zémon, Zémon et version amplifiée. Jean chapitre 1er, verset 5, version d'Arbi, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et la lumière luit dans les ténèbres, oui. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La lumière luit dans le ténèbre. Ténèbres, azo comprendre en côté. C'est ça les mots, non? Yeah. Amen. Les ténèbres ne l'ont pas. Azo comprendre en côté. Yoka, fléyo yon soya, et qu'on comprend yote. Akoko ka ou maîtrise yote. Amen. Parce que ténèbres, et loko yon so, issu yon so de ténèbres, akoko ka ko gérer lumière te. Amen. Il y a des exceptions. Et ça n'a pas exception. N'oublie pas. Na Egypte. En Égypte. Yonso. Tout. Eyé. Était venu. Et kokite ko simba bana Israël. N'avait pas pu toucher le peuple d'Israël. Dengi moko. De la même manière. Salema. C'est ce qui s'est fait. Na minito. Maintenant. Alléluia. Amen. Aha, tanga pona ngai. Version. Semeur, oui. Verset 5. Mm. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Caractéristique, il faut dire que la lumière domine sous les ténèbres. Alors, les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Yoka, nous souhaitons que combo de monde des ténèbres. Corona, Koroko, Korora, Ebola, et Koko Kako étouffé vina yote. Tout ce qui vient des ténèbres, quel que soit son nom, ne pourra jamais étouffer. Parce que aux lumières. Puisque tu es dans ce monde. Nakatina Alléluia. Version Louis II révisée. Oui. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Akokarate. Akokarate. Akomprenaka lumière. T.
l'obscurité. Il ne comprend pas la lumière. Alléluia. Amen. Version amplifiée. Version amplifiée. Et la lumière brille dans les ténèbres. Car les ténèbres ne l'a jamais dominé. N'a jamais dominé. Entre parenthèses, ne l'a jamais chassé. Chassé. Ou absorbé. Ou absorbé. C'est-à-dire maîtrisé. Azou quoi qu'on maîtrisé a été. C'est-à-dire aza immaîtrisable. Azou quoi qu'on a été. Les ténèbres n'arrivent pas à absorber, à maîtriser la lumière. Et le koyo est démoniaque. Naye koyo psa yo attend que lumière et koko kayote. Et koko kako maîtrisé yote. Oza immaîtrisable. Amen. Tout ce qui vient des ténèbres ne peut pas te maîtriser. Alléluia. Amen. Voilà. Version les livres, verset 5. Sa vie est la lumière qui brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne pourront jamais l'éteindre. Les ténèbres ne pourront jamais l'éteindre. Yoka, et l'okoyo soiza issu des ténèbres. Et kokiko éteindre vie na yote au zambé à pessi. Et l'okoyo se outi na mon lili et kokite ko boma bomo inayo. Troisième point. Yami Sato. Na lobi premier. La lumière est maître des ténèbres. Deuxième, la lumière domine sous les ténèbres. Troisième, la lumière brille. Pour les dans Somme, chapitre 119, tout en guise, verset 130, l'entrée de sa parole fait comment? Donne la lumière. Illumine. Gengisaka. Lumière et Gengisaka. La lumière brille, elle fait briller. Et Gengisaka. Elle fait briller. Alléluia. Amen. Et Gengisaka. Elle fait briller. Si vous voyez, je brille. Mais je suis dans les ténèbres. Mais je brille. Parce que j'ai la lumière braquée sur moi. De la même manière, si vous comprenez, enfant de Dieu, dans les ténèbres, dans tout ce qui arrive dans ce monde, tu es né pour briller. Quand nombreuses personnes sont absorbées par les ténèbres, toi tu brilles. Parce que yo osa différent. Parce que tu y es différent. Il faut dimango, il faut yebango, et c'est ça. Tu dois croire en cela et l'accepter. Zambe akosakate. Dieu ne ment jamais. Oyo alobi yangonde asalaka. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Osa lumière et lumière agenaka. Tu es lumière et la lumière brille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Psaume chapitre 119, verset 130, version d'Arbi. L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence au simple. Donnant de l'intelligence au simple. Et notre version. Version communauté chrétienne, verset 130. Présenter tes paroles, c'est donner de la lumière. Alléluia. C'est donner de la lumière. Alléluia. C'est donner de la lumière. Ok. Un autre. S'il n'y a plus, ok. Version Semeur. Ok. Psaume 119, verset 130. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. C'est la lumière. Lumière. Quand je découvre ta parole, c'est la lumière. Mais na lingi, version et lobby, l'entrée de sa parole. Illumine. Alléluia. Amen. Illumine. So, lumière, moko ya krasasira lumière e gengaka. E gengaka. Ata na kati ya ténèbres mulili ezo genga. Amen. So, ata malade ezipi mokili, yeba ke yo na kati ezo genga. Amen. E kosipa yote, e komila yote. Amen. Version good news. L'interprétation de tes enseignements donne la lumière. Dans la lumière. Praise the name of Jesus. Alléluia. Ok, ok, Liboso. Avançons. Caractéristique Mususu. Une autre caractéristique. La lumière attire. Pole et Bendaka. Ezakrasi Fouyeba. C'est une caractéristique qu'il faut connaître. La lumière attire. Pour les bendaka. Tout le monde est attiré par la lumière. Montenions soit benda marquesika pour et les assemblées. Je prie.
na ngonga oyo. En cet instant-ci, destinée na yo ekoma attirante. Que ta destinée soit attirante. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus. Cinquième point. Le cinquième point. La lumière expose les ténèbres. Bolé yangwa bimisaka molili liboso na bato. C'est tout à fait normal. Soki o moni o koti na chambre na yo na butu o wuti libanda o wuti travail oye. Tant qu'on ouvre la porte, tout est noir, tout noir. Mais tant qu'on appelle ça interrupteur, on m'en a polé et petit et exposé ténèbres. Il y a un seul battement et comme clair. So, lumière est exposée à ténèbres. La lumière expose les ténèbres. Ba balabala biska ba tuwana ba salak ba bayiba ka ba detourna ka ba sak ya batu soki ba tchel lumière kuna omona ke ba kozala kuna isute parce que ba yebi ke baza exposé ba kobata makuna isute na ba oyo ba luka ba client na butu ba lataka ba jip ya mkuse soki ba tchel lumière kuna omoni ke ba longwe na ba place wana parce que baza exposé. So lumière est exposa ka ténèbres. La lumière expose les ténèbres. Alléluia. Amen. Et sixième point. Ya motoba. La lumière ne suppliait pas le ténèbre. Pole abonde la kamolilité. Peut-être comprendre le ko nazolo. Peut-être tu n'as pas compris. Dès que opelisi interrupteur na yo na kati andako uti libanda uti musala, opelisi boye. Dès que opelisi ténèbre akei. Automatique. Dès que tu actionnes l'interrupteur de ta lampe, les ténèbres sont fouillées et c'est sans pardon. Pole est bon de la camolilité. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Négociation est à la cati. L'isolo est à te. Yango na lobby. Voilà pourquoi et je dis. Et l'on se wouti na monde ya ténèbres. Tout ce qui vient des ténèbres. Et koki koko zavi ne peut pas dominer. Et à la corona. Et à la nini. Et koki te. Ne peut pas. Parce que la lumière. Pole. A négocié kate. A solo la ténèbres. Na molili. Ma conclusion est celle-ci. Pour na kosu ki sa na zolo babo. Comme Jésus et les trois brillants du matin. Et il est en nous, il est en toi. Je déclare aujourd'hui que ta lumière commence à briller dans ce monde au nom de Jésus. Que cette lumière en toi commence à nuire dans ce monde. Na kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'étoile brillante du matin. Azali monzo to angenga kana tongo. Et celui-là est en nous. Azakati na biso. Si il est en toi. Ce qui azakati est en moi. Bekati na nga. C'est-à-dire Paul na ye. Sa lumière. Il faut pela. Par nous. Partout tu es. Même si tu es dans les ténèbres. Je déclare maintenant. Que ta santé brille. Que sur les ténèbres maladie. Que la santé Louise. Réussite la réussite. Na kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masiya. Au nom de Jésus. La lumière. Olé. Et maître. Aza mon compte. Des ténèbres. Ya moli. Lelo. Aujourd'hui. Dès que vous m'entendez. Je fais de vous maître. Maître. Ya ténèbres. Des ténèbres. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je déclare. O kangolami. Vous êtes délivré. O pikisami. Vous êtes guéri. O pambolami. Vous êtes béni. O kangolami. Vous êtes délivré. O pikisami. Vous êtes guéri. Et loko quoi que ce soit. Atanini. Apatia lelo. Kobanda lelo. Oyo eza issu des ténèbres. Oyo uti na molili. Na déclaré o kangolami na yango. Tu en es délivré. Na commission mokonzi ya ténèbres. Je te rends maître des ténèbres. Na commission mokonzi ya ténèbres. Je te rends maître des ténèbres. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Vous êtes béni. O pambolami. Na pamboli dimanche na bina lelo. Béni votre dimanche. J'ai béni votre destinée. Au nom de Jésus Christ. Nous allons prier. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ne manque pas. Gardez connexion. Restez connectés. Chaque mercredi à 10h. Mercredi à 10h. Chaque
vendredi à 17h. Vendredi à 17h. Et chaque dimanche à 7h. Et dimanche après, à 7h. Bah, rediffusion est allée. Et on va rediffuser après. Benga biso. Appelle. Partagez na biso. Partage avec témoignage na yo. Ton témoignage. Ramba, Dieu m'a dit. Quand on a zoté, pendant que je l'onction ayé. J'ai prié pour gens. Nombreuses personnes étaient guéries. Quand vous constatez que Obixami, quand tu constates que Tinda biso témoignage na yo. Envoie ton témoignage. Vidéo WhatsApp. Tu peux faire une vidéo audio Tindi. Pour Dieu, afin que le monde sache que Christ est vivant. Je vous aime. Ciao. À la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Le temps de témoignage. Petela Yesu mapoko makasi. Bonjour, je m'appelle Elena Tsangwabika. C'est que je voulais vous parler. Papa n'a ni une prédication au Salaki à dimanche le 10. Le 10, au prêché, après na soukata, au banek, au prier, au lobaki, yana motomoko, azana ba courbature. Tant que je suis ba courbature, on a mona ke zala ki pou nangai. N'intercédé ke pe na prier ke na bino. Après, 2 heures après, douleur et si lingaler, douleur et si li après. Na l'ekisi quelques jours après yango na yeko zo numéro na bino pona tina bino message o pona tato la nzami na ona o aseli ngai merci etela yesu mapoko makasi. Na prophétiser na vie na sa pole na poina bista balinda bazo kufa ko kufa te eloko epomi tata na yo ko poma yote eloko epomi mama ko poma yote ya ye le chou de chèvre botinou va savoir a ko yeba ete que la vie spirituelle et que la foi spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenyewa.